ordres du starter. Départ Tilleul. Thank you.
test commentaire avec 10 km la petite course, le coureur de l'ABV devant celui de la CLR. Est-ce que ça marche bien au niveau du son? Son ambiance dans les oreilles, oui, très bien. Départ du semi-marathon à 10h15, championnat de France. Peut-être un peu plus d'ambiance, si possible, dans le casque. Ouais, voilà, parfait. Eh ben, ça roule. Ça roule, ça roule. Si je baisse ça, ok. Ok, ok, ça roule pour moi.
a fait le trou sur le gros gros hippopotame. Thank you.
Yeah.
que c'est bien parti ce matin au Sable de l'Homme avec une victoire flamande, Félix Lorivé. Alors peut-être que Johan va nous donner des nouvelles de la féminine. On va écouter le direct. On n'entend pas direct. Eh bien, on va rester nous ici sur le podium d'arrivée avec ces trois garçons qui se sont donnés au maximum. Voilà, on va les inviter tous les trois au podium. Vous venez nous rejoindre, Félix. Et bien sûr, on va vous dire les premières impressions. Allez, place. Mais on va voir dans quelques instants la première féminine qui est en train d'arriver maintenant. Voilà.
chapelet de ses plus de 750 arrivants. Et on a, bien sûr, dans quelques instants, les Andispas au pied du podium. On peut venir nous rejoindre ici devant la pelouse, devant ce magnifique podium du championnat de France. Allez, deuxième féminine dans quelques instants, hein, mon cher Michel. Regardez, elle arrive. Elle arrive. Mesdames et messieurs, elle va terminer. Deuxième ici de ce 10 km des Sables d'Olonne de Sarcatine. 159 les applaudissements, mesdames et messieurs. Pour Laurie Fouquet, elle nous vient du CHSONER. Laurie Fouquet, deuxième. Effectivement, Michel, Laurie Fouquet, quasiment à domicile, hein, puisque nous vient de Basilé. Luzon, c'est tout à côté, évidemment. Allez, deux féminines, on attend la troisième pour compléter ce podium. Et à Luzon, il y avait la mer autrefois. Michel, t'as peut-être connu ça? Non, non, non. Il y avait un port, effectivement, autrefois, Luzon. Il y a des gens du sport qui vont nous rejoindre au fil du podium. Et on attend la troisième. Et on est encore moins de 40 minutes, hein, il faut se rappeler que ça fait plus de 15 à l'heure, hein, pour faire ces 10 km en moins de 3 minutes. Il y a une féminine qui est entrée sur le stade, j'ai cru reconnaître un maillot... Allez Valérie, allez, allez, super, allez. Ça reste à vérifier, mais je pense que c'est une athlète de... Oui, je pense que c'est une athlète de l'OBA, on va voir ça dans quelques instants pour la troisième place. Troisième place, dans quelques instants, pour compléter... À ce podium féminin qu'on retrouvera bien évidemment dans quelques instants ici. Mais non, je crois qu'il y a une autre athlète. Alors, je vois les maillots jaunes. Est-ce que c'est les maillots de la Cella Roche-sur-Yon? Non, je ne crois pas. Et la troisième féminine qui fait son entrée maintenant dans la dernière ligne droite. Mon cher Michel, ma chère Nathalie, allez, on va l'applaudir. Comme il se voit, eh bien oui, c'est bien le maillot jaune de la Cella Roche-sur-Yon. 4 filles, 104, mesdames et messieurs, les applaudissements pour oui, test micro, semi-marathon des Olonnes, championnat de France et l'arrivée du 10 km, victoire de Félix Rivet de l'OVA Les Sables en 31 minutes 37 secondes devant Fabien Billot de l'ABB, 31-57 et Baptiste Binelli le Nantais à la troisième place. Bonjour, ça va? Ah oui, ah, ça va. Hop. Juste un petit truc. Hop. Voilà l'installation. Ouais. Ouais, on entend quand même. Ok. Donc là, c'est toutes les caméras en place. Ça, c'est ce qui passe à l'antenne. Ouais, d'accord. Voilà. Moi, je regarde que celle-ci. Oui, oui. Donc, des fois, s'il y a des infos qu'on peut dire après, ouais, voilà, ouais. Ça passe l'image. Je vais mettre le cadre. Ouais. On dirait si vous voulez vous entendre parler. Il y a un peu de vent, hein, sur le remblai là. Vous pouvez faire un petit test de commentateur pendant 5 minutes. Ouais, on va parler. Et donc on apparaîtra aussi au début sur cette caméra là. Donc c'est à quoi regarder. Ouais, petit quart d'heure. On a une petite vidéo du parcours en image. Parce qu'on parlera de ça. Un petit point sur les favoris. Ouais. Il devait pas nous apporter des feuilles. Alors moi j'ai ça, mais le problème c'est que c'est qu'il y a aussi les non partants, parce que notamment sur la liste des filles, ils ont laissé Suzanne Kipsang qui n'est pas là. Ouais, qui est pas là, ouais. Alors je sais pas s'il y a d'autres forfaits de dernière minute, j'ai pas été au courant. Mais alors je peux laisser ça là comme ça. Ouais, c'est surtout le parcours.
Ouais, mais c'est vrai. Bah, le parcours, j'ai tout là. Ouais, on va le mettre au milieu. J'ai tout là. Je le fais, tu le fais. Comme ça, pour après. Et le troisième. Donc, le parcours, il y a le parcours général et après détaillé par boucle. Ah, super. Voilà. Ce qui va permettre à chaque fois d'expliquer où ils sont. Et voilà. Les ravitaillements. Les ravitaillements. Voilà. Voilà. Moi, je suis en place. Donc, on est en place avec Christelle. Départ du semi-marathon dans 9 heures, dans 3 quarts d'heure. Bon, on va dire quelques mots, faire un petit test. Oui. Donc Christelle, une belle journée d'athlétisme aujourd'hui au Sable d'Olonne avec ce championnat de France de semi-marathon et des belles bagarres à prévoir autant chez les hommes que chez les femmes. Oui, en effet, on a hâte d'y être. On a attendu ce moment depuis 18 mois. Et voilà, le départ va être imminent avec une course femme et une course homme très relevée pour ce championnat de France élite. Avec de bonnes conditions, un beau soleil pour l'instant, un peu de vent tout de même, notamment sur le front de mer. Bien sûr, oui, le vent, l'ennemi numéro un du coureur. Qui est présent, mais on a une magnifique météo. Cette nuit, il a plu et voilà, ça, le ciel est dégagé, donc un bel événement qui nous attend. Est-ce que c'est bon en termes de test son ? Moi, ça va, ouais. Moi, j'entends bien, ouais. Ouais, impeccable. Bon, bah parfait.